monnaie ses formules magiques ou alors lire dans l'avenir. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que je traverse. Oh, qu'est-ce qu'elle est drôle. Complètement loufoque. Trébucha, pourquoi il se trébuchait ce matin en traversant la rivière meurtrière? Que voilà un mauvais paysage. Quelque chose de terrible arrivera aujourd'hui. Si j'ai bien compris, elle nous annonce la prophétie de la journée. Viens, Lilibelle, allons raconter à ta mère ce qu'Escarbi vient de prédire pour la journée. Comme ça, elle pourra prévenir les gens d'être très prudents. Oh, c'est une bonne idée, chien. Que sera la prophétie d'aujourd'hui. Coucou, maman. Allons, allons, descendez de là, les enfants. C'est sur ce rocher qu'Escarbi nous annoncera la prophétie d'aujourd'hui. Alors, descendez. Mais nous, on la connaît, la prophétie, maman. Et nous pouvons dire mot pour mot ce que cette vieille sorcière va vous annoncer. Mais comment peuvent-ils connaître la prophétie d'Escarbi? Ça me paraît tout à fait ahurissant. Vous seriez épatés si on vous le disait. Et on pourra prendre la moitié des cadeaux si on vous le dit. Oui, si vous nous dites quelle est la prophétie, oui. Escarbi vous dira exactement. Aujourd'hui est un grand jour de malheur et quelque chose de terrible va arriver. Oh, voilà Escarbi, tenez-vous tranquille. Abracadabra! Abracadabra! Pique et pique et collégramme, bulle de savon explosion, ratatou et ratatou. Le présage en sautant la rivière s'est présenté à moi et l'eau magique a mouillé mes tibias. Achou, achou, achou. Oh, oh. Oh, je vois la prophétie. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui est un grand jour de malheur et quelque chose de terrible va arriver. Oh. J'ai dit qu'une chose terrible allait arriver. Les enfants avaient raison. Ne t'inquiète pas, je t'en donnerai d'autres. Petit monstre! Escarbi, dis-nous ce qui va arriver de si terrible. Nous sommes tous inquiets, nous avons le droit de savoir. Dis-le-nous, Escarbi. Attendez que je me concentre. Ça vient-il du nord ou du sud? Ça vient-il de l'est? Non, ça vient de l'ouest. Hein? Je ne sais pas si elle a raison, mais il y a quelque chose qui vient. Il y a quelqu'un qui marche sur le chemin. Oh, on dirait que c'est Roman. Ah ouais, c'est possible que ça soit lui, le fils de Cléobule. Il y a deux gens qui l'ont quitté le village. Oh oui, oui, c'est Roman. Roman revient au village. Oui, c'est bien le fils de Cléobule. Mon Dieu, comme il a grandi et quel beau jeune homme. Bonjour, Kumkum. Moi, c'est Moustique. Ah, je me souviens de toi, Moustique. Toi, c'est Lilibelle et toi, c'est Culbuto. Oh, c'est oui. Ça. Oh, comme vous avez grandi tous les quatre. Est-ce là la chose terrible que tu nous annonçais? Peut-être. Là est peut-être la source de tous les ennuis à venir. Tu exagères, Escarbi. Venez voir qui est revenu. C'est Roman qui est revenu. Oh, oh, Roman est revenu, viens vite. Bonjour, Roman. C'est lui, petite sœur. Tu es devenue une très jolie jeune fille. Oh. Oh, Roman, je n'aurais pas voulu que tu me vois toute barbouillée. Cléobule va être bien content de revoir son fils. Cela m'étonnerait. Pourquoi? Il se querellait tout le temps. Tu oublies que c'est pour cela que Roman est parti. Tu ne dois pas manger ça tout de suite, Tim Tim. Veux-tu me rendre service, mon petit Kumkum? Tu vas aller chez Cléobule lui porter ça. C'est un cadeau pour Roman. Donne-les-moi, Kumkum. C'est trop lourd pour toi, j'y vais. Mais qu'est-ce que tu fais, Pom-Pom? Je me trouve tellement affreuse. Moi, je te trouve comme d'habitude.
Occupe-toi de tes affaires, Kumkum, et laisse-moi tranquille. Cléobule, Cléobule, Roman est revenu. Roman est revenu. Je te salue, père. Pourquoi es-tu revenu? J'en avais envie. Je t'ai dit il y a 2 ans à l'époque où tu étais encore mon fils que si tu ne voulais pas graver les grands livres avec moi, tu pouvais t'en aller pour toujours. Comment oses-tu te présenter dans ma demeure pour venir me saluer? Tu voulais voir le monde? Bon, soit, tu l'as vu le monde. Mais un jour, tu as eu le mal du pays et tu t'es dit, je vais revenir chez ce vieux fou avec ses livres imbéciles. Il me donnera le gîte et le couvert et moi, je vais lui rabattre le caquet. Je ne reviens pas à la maison, père. Je viens vous faire une visite car je n'ai pas fini de voir le monde. Tu ne reviens pas à la maison? Non. Et d'ailleurs, comment en aurais-je envie avec un père aussi entêté que vous? Quoi? Oh, monstre d'ingratitude! Vaurien, disparaît de ma vue! Soyez tranquille, je m'en vais. La prochaine fois que tu viendras par ici, ne viens surtout pas me déranger. Passe ton chemin et ignore ma maison. Tu entends? Et maintenant, disparaît, Vaurien. Oh, c'est pour moi, ça. Merci. Merci beaucoup, Pom-Pom. Je vais me régaler. Tu es une brave petite et ton cœur est généreux. Oh, que je vais me régaler, que je vais me... Roman! Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Ouais, pourquoi tu restes pas jouer avec nous? Je ne peux pas vivre avec mon père et je veux être libre. Pourquoi est-ce que tu tiens tellement à voyager, Roman? Ouais, pourquoi tu tiens? Parce que au-delà de nos montagnes, il y a des hommes et des pays très différents. Cette arme redoutable est un boomerang. C'est ce que les peuplades noires qui vivent dans les terres du sud utilisent pour chasser les animaux. Il y a dans le monde des hommes et des coutumes étranges qui m'ont fait aimer les voyages. La découverte est un perpétuel émerveillement. Je ne pense plus pouvoir vivre dans un petit village comme le nôtre. Et je crois qu'il vaut mieux que je vous dise au revoir et que je poursuive mon chemin. Ne t'en va pas, Roman. Ne t'en va pas! Pourquoi tu pleures? Il y a 2 ans que j'attends et que j'espère le retour de Roman. Mon pauvre Kumkum, tu ne peux pas comprendre. J'avoue que ça me dépasse. Si Roman s'en va d'ici, je partirai avec lui. Quoi? Tu partiras sans rien dire à maman? Bien sûr que je n'en parlerai pas à maman. Mais si Roman reste au village avec nous, tu partiras pas alors? Non. Alors je vais essayer de le convaincre, Pom-Pom. Je m'occupe de tout, reste là. J'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. J'aimerais bien que tu nous parles des pays où t'es allé, Roman. Oh oui, et tous les gens que t'as rencontrés. Et je voudrais que tu m'apprennes à me servir du boomerang. Oh ouais, moi aussi, Roman, apprends-moi. J'ai pas le temps, mes amis. Parle-nous des chansons et des danses qu'on ne connaît pas ici et qui existent dans le monde. Oh oui, s'il te plaît, Roman. Oh oui, s'il te plaît, Roman. Attendez, attendez, il faut plus d'une journée pour vous raconter tout cela, mes amis. Même si ça prend longtemps, ça n'a pas d'importance. Pour vous, non, mais moi, je sais pas où je vais aller dormir. Écoute, Roman, si Cléobule ne veut pas de toi, nous pouvons très bien te construire une maison. C'est vrai? Bien sûr, qu'est-ce que tu t'imagines? Comme la maison de poupée de Lily Belle. Nous te ferons une vraie maison. Tu habiteras dedans, comme ça tu n'auras pas envie de partir et tu resteras pour toujours avec nous. Si vous croyez que vous pouvez la construire, c'est d'accord? Et toi, je vais la construire. Jamais je n'aurais cru ma sœur aussi bête. Tiens le piquet, moustique. Mets le rondin au sommet et attache-le avec de la ficelle bien serrée. Attention! C'est un nœud bien serré. Ouais, ouais, je sais. Voilà, c'est fini. Elle est belle, non? Quelle drôle de maison. Hé, y a même des échelles.
l'escalier. Coucou, ça y est, je suis au premier étage. Celle-là, elle s'effondrera pas. Elle est d'une solidité à toute épreuve. J'espère. C'est presque terminé. Tu vas bientôt pouvoir emménager. Là, il n'y a plus qu'à mettre la moquette végétale. Aïe, viens m'aider, Comcom. Il y a une branche juste dans le passage. Attends. Je suis arrivé. Ça s'est effondré au moment où on a cassé la branche. Il fallait pas y toucher. Elle n'était pas si bonne que ça, votre idée. On a fait de notre mieux, Roman. Je vous remercie quand même d'avoir essayé de me faire une maison, mais je crois qu'il serait plus sage que je vous dise au revoir et que je prenne la route. Attends, Roman, on va essayer de t'en construire une autre. Une maison en pierre bien solide. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais maintenant, je dois partir. Je dois traverser la montagne avant la nuit. Adieu. Il fait quelque chose, Pom-Pom, essaie de retenir. Que veux-tu que je lui dise, mon pauvre Koum-Koum? Tu m'as dit que tu l'aimais bien? Oui, je l'aime, mais je ne veux pas qu'il parte. Ah, je commence à comprendre. Roman, Roman, j'ai une idée. Si tu nous apprenais à construire une vraie maison qui ne s'effondre pas, tu dois savoir ça, toi qui as vu tellement de maisons dans le monde. Ah ça oui, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de maisons. Nous voulons tous que tu restes ici, Roman. Si tu avais une vraie maison, tu t'y installerais et il n'y a que toi qui puisses nous apprendre à la construire. Nous t'aiderons de notre mieux. Nous la bâtirons tous ensemble. S'il te plaît, Roman. Eh bien, on ne construit pas une vraie maison comme on construit une maison de poupée. Bien sûr, nous savons cela. Nous aurons besoin de certains outils. Nous te les trouverons. Oui. Il nous faudra de la corde, du bois, des feuilles que nous ramènerons de la forêt. Ne t'inquiète pas, Roman, tu auras tout ce qu'il te faut. Ah oui. D'accord, et pour finir, il faudra du courage, de la patience et du travail. Tu peux compter sur nous. Alors je reste. Qu'est-ce que tu fais avec ce chargement, Koum-Koum? Où es-tu avec tout ça? C'est un secret. Roman a dit que je pouvais le prendre. Hein? Alors ce vaurien n'est encore pas décidé à partir. Oh. Elle est drôle, ta maison. Oui, j'avais vu cela au cours de mon voyage en Polynésie. Vous seriez d'accord si nous essayions de construire exactement la même? Voyons un peu les excentricités de ce gamin. Allez me chercher des rondins longs comme ça. Des rondins oui. Comme ça, d'accord. C'est exactement ce que Roman il nous a demandé. Allez. Eh bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Qui a mangé les provisions que j'avais apportées? Ne cherche pas, ce sont les enfants. Mais tu n'as pas déjeuné, Roman. Ce n'est pas raisonnable avec tout le travail que tu fais. Je vais chercher des provisions pour ta nouvelle maison. Quelle bonne idée. Ce n'est pas pour toi, gourmand. Roman n'a pas encore déjeuné. Flamipuchin, ça c'est pas pour vous.
les noisettes. Pom-pom a dû aller dévaliser le garde-manger de maman. C'est moi qui les ai apportés, petit polisson. Oh, ce sera superbe une fois que ce sera meublé et décoré. Nous mettrons une jarre dans ce coin. Mmh. Et tu feras un beau bouquet avec des fleurs de toutes les couleurs. Oh, j'ai une idée. Si on allait chercher de quoi meubler la maison. Koum-koum, qu'est-ce que tu déménages? Koum-koum, peut-on savoir où tu emportes tout ce chargement? Nous aimerions tout de même savoir ce qui se passe depuis ce matin. Nous aidons Roman, il a construit une très belle maison dans la clairière. Ah, c'était donc ça. Oh, c'est merveilleux, Roman. On peut entrer la visiter. Oh, quelle merveille! C'est une maison de rêve. Oui, je vais vous manger. Nous t'avons apporté des cadeaux pour ta maison. Des cadeaux pour ma maison? Vous avez demandé la permission à vos parents? Il faut me dire la vérité sans mentir. Nous, on leur a pas dit qu'on avait emporté leurs affaires pour te les donner, Romain. Je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est? Ces maudits garnements m'ont pris ma charge. Les sont disparus. Mon tapis. Les assiettes et mes pelles. C'est toi qui as demandé aux enfants de nous voler pour installer ta maison, Roman? Non, c'est pas lui, c'est pas vrai. C'est nous qui avons voulu lui faire des cadeaux. Tu n'es qu'un menteur, rien de l'air. Maintenant, je ne peux plus rester. Ne t'en va pas, Roman. Mais non, je le reveux, je le reveux. Je le... Ah, mais c'est que je le reverrai. Il est là pour les murs de voir de ses pleurs à la chemin à la voix. C'est le présage. Tais-toi, vieille sorcière. Que chacun de vous me pardonne. Je suis le seul à blâmer. Reprenez ce qui vous appartient et remportez-le chez vous, mes amis. Sachez que je comprends votre colère. Allez, malentendu. Quel méchant du village. Ça suffit, taisez-vous tous, nom de Cléobule. Mon fils est une forte tête. Il est aussi entêté que moi et nous n'avons jamais été d'accord sur rien. Mais je vais vous dire une chose. Ça n'est pas un voleur. De cela, je réponds. Si vous vous étiez occupé de lui, ça ne serait jamais arrivé. M'occuper de lui, les garçons s'occupent de tout seuls. Voilà bras de fer. Ah, bras de fer. Nous avons été volés. Viens nous défendre. Du calme, mes amis. Nous savons tous que Roman est un garçon libre et indépendant. Mais je me refuse à croire qu'il soit capable de voler les gens de son village. Papa, c'est nous qui avons pris des affaires pour Roman, mais personne ne veut nous croire. Je crois que les enfants ont simplement voulu aider Roman et lui témoigner l'amitié que nous n'avons pas su lui donner à son arrivée. Il aurait dû les en empêcher au lieu d'être leur complice. Mais absolument, mais c'est Mélanie. Enfin, silence, silence, taisez-vous. Oui, c'est vrai. C'est moi qui suis le seul responsable. Je voulais une maison à moi pour y vivre lorsque mon père m'a impitoyablement jeté dehors. Mais j'ai accepté que les enfants m'aident à construire ma propre maison. Lorsqu'ils ont vu que je ne possédais rien, ils ont voulu être bons et généreux. Car c'est ce que leurs parents leur ont appris. Je vais quitter cette maison, qui vous servira plus tard de lieu de réunion. Il vaut mieux que je prenne le chemin de mes voyages. Alors, tu t'en vas ? La nuit sera tombée avant que tu n'atteignes la montagne, Roman. Papa, je veux pas qu'il parte. Au revoir, mon petit Koum-koum. Roman! Ne le laisse pas partir, Cléobule fait quelque chose. Oublie ton orgueil. Ouais, la chauffe, la chauffe. Ouais.
mon fils bien-aimé. Père? Oh, mon fils! ずっこけピョンキーがへんてこな卵をめぐって大騒動。火の山も爆発するよ。次回ピョンキーの贈り物、どうぞお楽しみに。